Good morning, allez, Iden et les Sustra aujourd'hui, les Lunishmat, Richard, Aaron, Ben, Fortune, Mazal, ainsi que les Refouat, Hanale, Abad, Gitel, Devora, Sarah, Bat, Nechama, et Efat, Batsara, Betor, Shachol, Israël, et si vous souhaitez vous aussi d'aider, une prochaine étude du Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Shkalim, Perek Aleph, Mishnah Bet, Amar, Rabbi Yehuda, Barishona, Yu Okrin, Omashlichin, Lifnehem, Mishrabu, Overa, Avera, Hayu Okrin, Omashlichin, Aladrachim, Itkinu, Sheiyu, Mafkirim, Kol, Asade, Kula. Une Mishnah qui, enfin, qui vient compléter, plus détailler en fait, la fin de la Mishnah précédente. C'est-à-dire, dans la Mishnah précédente, on avait appris que, par rapport à l'interdit de Kilaïm, de croiser des végétaux ensemble, on avait appris que le printemps est arrivé, maintenant on est en Hadar, c'est le mois du printemps, Nissan va encore plus arriver, maintenant ça, tout va commencer à fleurir. Du coup, alors, on diffusait, on se souciait maintenant que les champs qui allaient avoir peut-être des kilaïm, parce que lorsqu'on a semé le champ, on avait peut-être mélangé des gaines qui s'étaient peut-être mélangées, et puis maintenant que ça pousse, on va se retrouver dans un champ de blé avec en plein milieu de l'orge. C'est kilaïm, il va falloir partir arracher l'orge. Le premier Hadar, on avait appris qu'on diffusait, on publiait la nécessité de le faire. Le 15 Hadar, on commençait à faire sortir, c'est la dernière phrase de la Mishnah précédente, le 15 Adar, les Shlouche Beddin, les émissaires du Beddin, sortaient déjà vérifier dans les champs est-ce que ça a été mis en application. Sur ça vient Rabbi Yehuda et nous raconte une anecdote. Il y a une petite anomalie dans la Mishnah, vous allez voir. Je vais tout traduire d'un coup, on va expliquer, puis après vous allez ressentir vous-même la difficulté. Amar Rabbi Yehuda, il nous a dit Rabbi Yehuda, Barishona, au début, Hayu Okrin Omashlechin Efnehem. Ils déracinaient et les jetaient devant eux. Soit, on se réfère aux Shlouche Beddin, aux émissaires du Beddin, la police de l'époque, qui partaient dans les champs et qui voyaient, hey, toi, là-bas, là, t'as laissé l'orge en plein milieu de ton champ, Ayu Okrin, ils déracinaient, ou Mashlichin Efnem, et ils les laissaient sur place. Misherabu Ovravera, depuis que les gens se sont multipliés, les gens qui transgressaient, les fauteurs. Alors là, Ayu Okrin, Omashlechin Aladrachim. Ils déracinaient et jetaient sur la route. Soit, première étape, ils déracinaient et jetaient sur place. Après, il y a eu des fauteurs, on a du mal à comprendre de quoi ça parle exactement. À cause de ces fauteurs, on s'est dit non, 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 alors on ne va pas les jeter, les laisser sur place. On les jette et on les sortait dans la rue, on les jetait dans la route, sur la route. Et la Mishnah continue de me raconter. Itkinu Sheyu Mafkirin Kol Asade. Là, et ils ont décrété de les afkir, de, j'ai oublié le mot en bon français, comment on dit, déposséder le champ entièrement. Soit la Mishnah, en fait, elle me raconte une évolution d'une certaine takana. Il y avait, par rapport à la nécessité à la police qui venait voir est-ce que c'était mis en application le fait de déraciner ou non. Au début, la police déracinait et laissait les herbes sur place. Après, il y a eu des fauteurs, on va voir exactement qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était quoi le problème de ces fauteurs. Du coup, on déracinait, on jetait sur la route, et puis ils ont même déraciné, et ils ont même décrété de déposséder complètement le propriétaire du champ. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors là, c'est la difficulté. Alors déjà, on va d'abord expliquer c'est quoi d'abord le Ovra Avera. Le Ovra Avera, en fait, c'était quelle faute il faisait entre la première étape et la deuxième étape. La difficulté sera de comprendre entre la deuxième et la troisième, en fait. Entre la première étape et la deuxième étape, c'est que il y avait au début, alors le monde se tournait normalement. Les gens leur disaient, vous savez, qu'un issour, ils partaient, ils déracinaient, et les Shlouche Beddin, ils passaient ensuite dans les champs, ils vérifiaient qu'il y avait, en général, c'était respecté, par-ci, par-là, il y avait des petits problèmes. Les Shlouche Beddin s'occupaient eux-mêmes de déraciner, c'était très bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, les gens, ils ont commencé à un peu négliger le travail, à le prendre à la légère. Du coup, les Shlouche Beddin partaient, déracinaient, et puis ils ont réalisé que le fait de les laisser dans les champs, ça les arrangeait. Comme ça, il y avait des animaux des propriétaires du champ qui venaient et qui mangeaient, ou ils ramassaient ces herbes et les donnaient à manger à leurs animaux. Donc du coup, ces herbes, ces récoltes, qui devaient arracher, et au lieu de les laisser dans le champ pour que le propriétaire en profite, puisque ça l'intéressait, alors là, ils se disaient, non, il n'est pas question qu'on va laisser profiter de ça, on le prenait, on le jetait dans la rue de dehors. Et la Mishnah me raconte qu'en fait, ils ont même instauré de le déposséder, en fait, parce qu'il y a eu une nouvelle étape. C'est que, au fil du temps, les gens se sont dit, bon, on va pas se casser la tête à les déraciner, de toute façon, la police, ils viennent, ils déracinent,
On va les laisser eux-mêmes déraciner, qu'ils achètent sur la route, ils nous font le travail, on les comprenne un employé qui va nous coûter 300 shekels la journée pour venir déraciner. Au moins, eux, ils viennent, ils font ça gratuitement, ils prennent. Au début, ils étaient contents parce qu'ils donnaient même à manger aux animaux. Après, bon, ils ont arrêté de donner à manger aux animaux, c'est pas grave, ils le mettent dans la rue. Tant pis, mais au moins, ceux qui travaillent à leurs frais. Du coup, les gens, du coup, le Bedin, il a décrété, il a dit, ah, c'est comme ça, vous croyez que la police, elle est là pour travailler pour vous. On va vous faire déposséder complètement des champs, et du coup, les Shlouchei Bedin venaient, les émissaires du Bedin venaient, et voyez, si ça, le travail n'avait pas été fait et qu'ils n'avaient pas déraciné, eh bien, ils déposaient des champs et les gens venaient et s'emparaient du champ. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.